Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là, j'avoue que j'ai découvert quelque chose assez récemment. Je me suis dit, waouh, ça va être super intéressant pour les personnes qui bossent à la fois sur SketchUp. Alors moi, je travaille sur la version 2023. Là, je vais vous montrer une vidéo par rapport à la version 2022 et je travaille sur Blender avec la version 3.4.1. Déjà, je vous avais présenté une première vidéo qui s'appelle, ici là, je vous le montre, je vois tout en rouge, qui s'appelle SketchUp 2023 et Blender 3.4.1, import-export. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est déjà vous présenter une chaîne où j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante. C'est un plugin qui va permettre de récupérer un modèle. Alors, je vais vous montrer un modèle que j'ai fait, puisque c'est une formation que je propose justement pour créer ce genre de choses, et carrément exporter l'ensemble sur SketchUp. Et vous allez voir, ça fait quelque chose de très bluffant. Je vais vous montrer en premier comment j'ai fait au début pour récupérer un OBJ, puisque c'était la première méthode que j'avais expliquée. Il y a sûrement plein de méthodes, hein, je pense, hein. Mais le gars qui a créé ce plugin, super, franchement génial, et je me suis dit, on va présenter ça. Alors pour commencer, la chaîne que je voulais vous présenter, c'est Hypercube, et c'est là que j'ai trouvé, comment récupérer l'information. Alors je ne sais pas si c'est dans sa vidéo assez rapidement, si je regarde. Alors, Twinmotion, ça s'appelait Import-Export. Alors là, je ne l'ai pas en tête. Vous savez quoi, on va chercher ici, si je mets SketchUp, Blender, voilà, c'est celui-ci. Tuto Blender, importer facilement un fichier SketchUp format SKP. Bon, franchement, ça fait pourtant plus d'un an, mais le gars, il m'a fait halluciner. C'est hyper intéressant ce qu'il explique. Enfin, vous allez voir de suite, c'est bluffant ce qu'on peut faire avec. Moi, je ne pensais pas que c'était possible, et en plus, le plugin, c'est gratuit. Donc, autant en profiter, hein, bien entendu. Ça, c'est cool. Alors, première chose que l'on va faire, déjà, on va partir sur SketchUp. Là, on est sur la version 2022. Bon, pas de problème. Imaginons, je voudrais récupérer l'ensemble. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo pour expliquer comment je faisais. Je faisais ici fichier, exporter en modèle 3D. Alors, je ne vais pas exporter mes scènes. Hein. Je vais juste exporter l'ensemble des éléments avec les textures et ainsi de suite. Je veux tout récupérer, tant qu'à faire. Donc là, je vais cliquer sur fichier, exporter, modèle 3D. Et ce qui va m'intéresser par rapport aux options, c'est ici. Alors, la dernière fois, on m'avait posé la question. Oui, c'est bizarre, moi, quand j'exporte mes modèles, en tout cas en OBJ, tous mes éléments étaient triangulés. Normal, parce que si ici, vous cliquez sur celui-ci, automatiquement, tout sera triangulé. Là, pareil, dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'il fallait aussi exporter les arêtes. Dans ces cas-là, vous aurez... Ça peut être intéressant à faire. Hein. Si vous avez un modèle et vous voulez après le transformer en fil de fer, c'est pas mal. Après, il y a une technique qui permet de supprimer que les faces. Donc, dans ces cas-là, bon, à vous de voir. Donc, ici, on va laisser tel quel. On va exporter les plaquages de texture et on va laisser unité maître. On clique sur OK. Là, je l'ai appelé test SketchUp Blender. Donc, je vais l'appeler, par exemple, décor. OK. Je clique sur exporter. Et on va récupérer celui-ci. Alors, évidemment, il prend un peu de temps, hein. Là, il met l'écriture des entités, il est en train de calculer. Alors, ce qui est pas mal, depuis la version... Enfin, l'exportation marche beaucoup mieux. Moi, je travaille sur SketchUp depuis la version 8. Donc, autant vous dire que ça fait quelques années en arrière. Et évidemment, plus SketchUp évolue, plus celui-ci va pouvoir récupérer des modèles de plus en plus gros. Et il va être beaucoup plus stable. Voilà, il a terminé. Bien entendu, j'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait... ce serait un peu long. Là, il vous dit quand même qu'il a extrait 114 groupes. Il vous dit nombre de faces, d'images, de matières, de textures et ainsi de suite. On clique sur OK et maintenant, on va repartir sur Blender 3.4.1. OK, je suis au bon endroit. Là, je vais supprimer mon cube. J'en ai pas besoin. Alors, bien entendu, si vous êtes débutant sur Blender... sur SketchUp aussi, je vous montrerai tout à l'heure, si vous êtes débutant, je peux vous proposer une première formation. Là, je vous montre la vignette. Vous retrouvez celle-ci sur frto.com. Vous avez, pour 10 euros, vous avez une bonne formation qui vous explique vraiment les bases des bases par rapport à Blender. Ça vous permet de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vais en faire d'autres dans pas longtemps, parce qu'on est maintenant, on est en 3.4, mais je m'aperçois que des personnes commencent à parler déjà de la version 4.0, donc ça va très vite. Hein. Là aussi, j'ai vu des super évolutions. J'en parlerai un peu plus tard. Bon, ce qui va m'intéresser, donc, c'est ici File. Importe et importer un fichier en OBJ. Donc mon élément, je l'avais appelé texte Blender décor OBJ. Très bien. Ici, on va laisser tel quel. Ce qui est important ici, c'est de cliquer sur Split by Group. Sinon, vous allez avoir un ensemble d'éléments. Vous n'aurez pas des... Comment vous expliquer? Vous n'aurez qu'un seul objet. Et là, ça va être compliqué. Après, il va falloir reprendre chaque élément, appuyer sur la touche L pour récupérer, faire un objet et ainsi de suite. Là, au moins, en faisant ça, vous récupérez approximativement pareil que sur SketchUp. Vous allez voir que je veux vous montrer le côté, entre guillemets,
complexe et le côté hyper simple de ce qu'a fait cette personne avec son plugin. C'est vraiment génialissime. Donc là, je clique sur « Importer ». Là aussi, je pense que celui-ci va prendre du temps. Voilà, super. Il m'a déjà importé celui-ci. Alors, vous pouvez voir déjà qu'il y a un petit défaut ici. Si on regarde, vous voyez par exemple les textures, c'est pas beau du tout. Hein. Je pense que avec cette méthode-là, vous voyez les textures, ouais, c'est pas top. Hein. On a des triangulations de partout. Alors, malgré tout, c'est pas mal en OBJ, hein, mais on a des défauts. Hein. Regardez ici par exemple, là la vis, elle est pas belle. Si je prends par exemple, on voit que c'est pas encore ça, quoi. Hein. Il y a des défauts. Là, n'en parlons pas. Au niveau des textures ici, c'est complètement cassé. Et là, par rapport à mon jouet, ouais, c'est vraiment pas top. Hein. Ça, c'est le genre de modèle que je vous apprends à faire sur SketchUp version 2021-2022, où vous êtes vraiment débutant sur SketchUp et je vous apprends cela. Je vous montre la vignette. Là aussi, vous allez pouvoir retrouver cette formation soit sur frtuto.com, soit sur Udemy. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est déjà ce que ça donne quand on récupère un OBJ. Au cas où, si vous voulez en savoir plus, regardez ma dernière vidéo sur importation et exportation de SketchUp en OBJ et je vous explique ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser. Là, je supprime tout le monde et cette fois-ci, on repart. On va repartir sur SketchUp. Donc là, on va être sur SketchUp. Très bien. Alors, ce qui m'intéresserait déjà, c'est d'avoir... Alors, je vais supprimer mes scènes. OK. Voilà, parfait. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir différentes scènes. Comme vous le savez, une scène, c'est une capture d'écran à l'instant T. Donc là, par exemple, je vais appuyer ici sur le plus. Celle-ci me plaît bien. Donc, je vais avoir ma scène, on pourrait dire, vue de face. Donc, on met vue de face. OK. Ensuite, je vais pouvoir me mettre plutôt en vue, par exemple. Alors là, on va cliquer à cet endroit-là. On va se mettre ici en caméra, en projection parallèle pour avoir une vue orthonormée. Ou ce qu'on appelle aussi une vue orthogonale, et je vais cliquer ici. Et je vais l'appeler vue de dessus. Ce qui est génial avec son plugin, c'est qu'on va pouvoir à la fois récupérer les vues, puisque là, en fin de compte, il vous crée des vues caméra. On va pouvoir récupérer les vues, mais pas que. Moi, au début, je pensais qu'on pouvait que récupérer les vues, mais on va pouvoir récupérer la globalité de ma... Moi, je pourrais me dire, de ma scène, mais optimisée. C'est-à-dire vraiment, on n'aura plus ces fameux traits de partout, on aura des beaux coloriages et ainsi de suite, en fonction du seuil. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, on va en faire que deux, ça suffira, et on va enregistrer celui-ci, bien entendu, en SKP. Je vais l'appeler Test SketchUp Blender Décoration. OK. Et je clique sur Enregistrer. Là, c'est assez rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose dans mon modèle. Et je repars maintenant sur Blender 3.4.1. Alors, avant toute chose, il va falloir installer l'addon. Pour cela, je vais vous montrer où récupérer celui-ci. Quand vous allez sur la chaîne YouTube, donc Hypercube, quand on clique ici... Sur Amazon. Oups, pardon, je coupe le son. Ici, vous aurez donc, à ce niveau-là, vous aurez un lien qui s'appelle « Lien du plugin SketchUp importé ». Vous cliquez ici et vous arrivez à cet endroit-là. Ce qui est génial, c'est qu'il a fait évoluer. Maintenant, celui-ci supporte SketchUp 2022 avec un support Blender 3.2. Je n'ai pas encore essayé 2023, mais bon, à mon avis, je pense que ça va fonctionner aussi. Hein. Je ne verrai pas trop de différence à ce niveau-là, mais bon. Moi, je suis resté sur la 2022 et j'ai pris Blender 3.4.1. Donc, vous cliquez ici sur le fichier zippé, vous aurez un fichier zippé qui va être téléchargé dans le dossier téléchargement et après, on va récupérer celui-ci. Allez, on repart sur Blender 3.4.1. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici dans « Edit »,« Preferences », on va cliquer sur « Add-on » et on va chercher ici, on va cliquer sur le bouton « Install » puisque là, cet add-on n'est pas native par rapport à Blender, donc il faut aller récupérer celui-ci. Bien entendu, il faut que ce soit un fichier zippé puisque ça va être du Python, c'est un langage de programmation. S'il est décompressé, ça ne marchera pas. Il faut que ce fichier soit zippé, ça c'est important. On clique sur « Install », on récupère le fichier qui s'appelle « SketchUp Importer.zip ». On laisse tel quel et on clique sur « Install add-on ». Donc là, je ne le fais pas puisqu'il est déjà installé. Par contre, si je tape ici « SketchUp », vous pouvez voir que celui-ci est déjà présent. Vous voyez, il s'appelle « Import SketchUp Importer ». Et vous avez ici donc différentes informations et vous allez pouvoir le supprimer si besoin. Juste ça. Bon, très bien. Regardons ce qui se passe quand on va vouloir importer celui-ci. On va cliquer sur « File »,« Import ». Maintenant, on a les fichiers SKP qui apparaissent, ça c'est vraiment génial. On va cliquer dessus. On va récupérer le fichier qui va s'appeler Test SketchUp Blender Décoration SKP. Et ici, vous avez différentes informations. Vous allez pouvoir gérer vos presets. Donc par défaut,
Si je clique ici, je mets Restore, bah, il va remettre tout à zéro. On va pouvoir donc récupérer les scènes. En fin de compte, celui-ci va me créer des caméras. On va pouvoir récupérer la dernière scène, c'est-à-dire c'est la dernière scène par rapport à ce que j'avais. C'est la scène actuelle, tout simplement. Donc on aura les scènes qui ont été, qui vont être importées et on aura la scène actuelle. Vous aurez ici, il va pouvoir récupérer des matériaux. Alors ça, j'ai pas encore, je me suis pas encore trop penché dessus. Hein. Ici, vous allez pouvoir réutiliser les groupes si besoin. Ce qui est très important, d'après ce que j'ai compris, c'est ici. Plus celui-ci, vous allez mettre, donc moi je vais mettre 50 000, c'est ce qu'il explique. Plus vous mettez celui-ci, vous mettez de la puissance, plus celui-ci sera détaillé. Et à mon avis, il va optimiser votre maillage par rapport à Blender. C'est ce que j'en ai compris. Par défaut, je vois qu'il va instancier au niveau des faces. Et ici, il va travailler sur Cycle. Bon, très bien, on va laisser Cycle. Moi, je ne me penche pas trop la tête là-dessus parce que franchement, premier aperçu que j'ai fait, je suis waouh, génial. Donc on y a, on va voir. On va cliquer sur Import Escapé et on va voir ce qui se passe. Donc là aussi, ça risque de prendre du temps en fonction de votre machine. Bon, bah là, apparemment, c'est hyper rapide, donc ça, c'est cool. Vous voyez, on a différentes caméras. On a une caméra ici, on a une caméra ici, une caméra ici et une caméra ici. Bah oui, parce que j'ai oublié d'enlever mes autres caméras. Bon, c'est pas très grave. Mais regardons un petit peu la qualité du produit. Alors déjà, vous pouvez voir que je suis en... Si je le mets comme ça, si on regarde, on a beaucoup moins... Oups, pardon. Alors, il faut que je prenne l'objet. Sinon, ça va pas être terrible. Voilà, pour pouvoir tourner autour. Voilà, parfait. Vous voyez, si je prends cet élément-là, déjà, oh, c'est super propre, quoi. Franchement, regardez ça. Je le mets en mode édition. Alors, on a bien des traits et tout ça, mais n'oubliez pas que Blender et SketchUp travaillent complètement différemment. Là, il a fait un maillage très propre. On n'a pas du tout de cassure au niveau des textures. Le train, pareil, est super propre. Enfin, j'ai été bluffé quand j'ai vu ça. Franchement, merci à celui qui a créé ce plugin parce que c'est une petite merveille. Moi, je vois même ici au niveau des vis, j'ai presque rien à retravailler. Regardez, c'est hyper bien fait, quoi. Peut-être ici un petit bevel, il faudrait faire un petit nettoyage, mais franchement, c'est super propre, quoi. Si je prends ici mon élément, alors là, je n'ai pas mis les textures. Je vais mettre ici pour voir s'il m'a mis les textures. Il m'a même mis les textures. C'est juste génial, quoi. Franchement, c'est excellent. Il y aura un petit boulot à refaire au niveau des collections, puisque là, si vous regardez bien, j'ai qu'une seule collection et j'ai tout l'ensemble. Je pense que ça sert à ça, Reuse Group, ça va servir à ça. Ça va permettre, en fin de compte, vous voyez, je suis tellement excité que je trouvais ça génial. Je me suis dit, waouh, moi qui travaille beaucoup sur SketchUp, puisque je suis à la fois formateur sur SketchUp et Blender, je me suis dit, waouh, il faut qu'on trouve des solutions, parce que Blender est vraiment génial pour pouvoir faire des modèles très simples. Et on n'a pas trop de difficultés, mais dès qu'on veut apporter au Blender, c'était la catastrophe. Là, franchement, j'étais bluffé. Il n'y a pas d'autre mot. Si on vient ici, par exemple, je me mets ici en édition, vous voyez, on a quelque chose de propre. Il n'y a rien à dire. Hein. Les bevels, je les avais fait avec l'addon Fredo Corner. Donc sur SketchUp 2022, pareil, c'est propre. Il n'y a pas du tout de soucis. Bon, je vais m'arrêter au niveau de la modélisation, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Mais déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Celui-ci a importé les scènes. Comme vous le savez, lorsqu'on prend ici une caméra, alors là, ma caméra, je ne la vois pas. Où est-ce qu'elle est? Tiens, c'est marrant, j'ai aucune caméra qui est active. Tiens, intéressant. Si j'appuie sur 0, ou alors elle est cachée. Ah voilà, elle est là. Vous savez qu'on a un petit trait noir ici. Très bien. Mais imaginons, moi, je voudrais avoir la fameuse vue qui était tout à l'heure en vue de dessus, en orthonormé. Si j'appuie sur 0, j'ai toujours la même. Ah, ça, c'est embêtant. Alors, on a deux solutions. Soit on peut cliquer ici et aller dans... Alors, vous allez, donc j'ai bien ma caméra, vous allez dans View, parce que moi, j'ai toujours le raccourci clavier. Hein. Vous allez ici dans Caméra et vous avez ici Set Active Object as Camera, ou alors CTRL 0. Si je clique ici, je fais CTRL 0, paf, j'ai directement ma vue en orthonormé. C'est exactement la même vue qu'il a capturée sur SketchUp. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, attention, tout ce que je vous explique là va fonctionner avec SketchUp Pro, puisque je travaille avec la version... Je travaillais avec la version SketchUp Pro 2022. Maintenant, je suis à la version 2023. Est-ce que ça va marcher avec SketchUp Free? Puisque là aussi, je donne des cours sur ma chaîne YouTube. Franchement, j'en sais rien. J'ai pas tenté. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Mais comme c'est du SKP, bah, il faut tenter, hein, il faut essayer. Je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer par rapport à SketchUp Free et Blender. Voir ce qu'on peut faire avec. Mais je trouve que c'est un gain énorme.
Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à Hypercube. Hyper intéressant ce qu'il a fait. Rien que pour ça, ça mérite de s'abonner. De toute façon, moi, j'étais déjà abonné. Mais franchement, son truc, c'est génial. Si vous travaillez à la fois SketchUp et Blender, vous travaillez sur de l'architecture et votre client vous demande d'importer celui-ci dans Blender, bah là, vous aurez beaucoup moins de soucis pour travailler. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.